qu'Abraham ne vient pas s'asseoir. Elle dit qu'elle espère que son geste va permettre que. On attendait que tu fasses le geste quand il y avait les sinistrés. Quand la caméra a chuté là-bas. Quand la caméra a chuté. Les gens sont morts, on attendait que tu fasses des gestes. On attend que tu fasses des gestes, Brenda Bia, tous les jours quand les gens meurent sur les routes au Cameroun. C'est le geste là qu'on attend. C'est pas le geste d'aller manger le cul pour venir dire aux gens qu'on doit les grands dépénaliser. Ce n'est pas ça qu'on attend de toi. Tu peux aller te faire foutre avec tes histoires d'Angelais. Tu peux aller te faire foutre avec ça. On te dit ça, ouais. Ce que nous on attend de toi, c'est que tu parles à ton père. Tu lui dis qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. Que tous les routes, les trous sont là-bas, tout. Tu lui dis que c'est à cause des routes là qu'on perd les personnalités de ce pays. Tu lui dis ça, c'est ce qu'on attend de toi. Que tu peux t'asseoir parisien, tu dis ça. On attend de toi que tu dises à ton père. Que l'Andingue est mort à cause des routes. Que Kabine Nandjib est mort à cause des routes. C'est ce qu'on attend de toi. J'étais fait les dons à l'hôpital de Tchang l'autre jour. Il n'y a pas d'électricité. Je suis en train de m'appeler, mais le médecin me dit que grand, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que tu peux nous aider même pour le solaire ou le groupe? On a bien acheté le groupe pour amener là-bas. C'est ce qu'on attend que tu dises à ton père, Brenda Bia. Que tu dises à ton père qu'il n'y a pas d'électricité dans les hôpitaux. C'est ça qu'on attend de toi. Pas que tu te t'assoies aux parisiens pour dire qu'on espère que ton geste d'avoir mangé dans va permettre qu'on. Mof! Vous arrêtez ça, hein? C'est vous qui poussez même les gens dans cette réflexion là aussi. Tu peux t'asseoir. Tu crois que tu. C'est ça qu'on attend de toi. Tu crois que c'est ça que les Camerounais attendent de toi? Ton père t'a mis à l'ENAM. Pour que là où il a échoué, toi tu dois réussir. Pour que tu réussisses là où il a échoué. Parce qu'il ne peut faire confiance à personne dans son entourage. Il t'a mis à l'ENAM. Pour que toi tu réussisses là où il a échoué. Tu as une déception. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu espères que ton geste va permettre qu'on dépénalise les Wendchelle au Cameroun. Tu crois que c'est ça que le peuple attend de toi? Si c'est ça que tu penses, tu es une villageoise. On te dit. Parce qu'à un moment donné, quand vous ne dites pas les choses, vous croyez que. Ils vont te dire la vérité. Tu connais comment les Camerounais voient. Si tu étais vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main, comme tu veux faire croire là, c'est que tu te soucies des problèmes des Camerounais. Et que tu as ouvert une association ici. Et que tu te bats. Pour les orphelins, que tu vas tous les jours, c'est pas pour les donner quelque chose là. Quand tu passes à la pose de Santa, tu vois tous les Nangaboko là. Tu ne sais pas que c'est les citoyens qui peuvent nous servir dans ce pays. Tous les petits enfants Nangaboko que tu vois là, tu ne sais pas, là, au pont de la gare là, tu ne sais pas que c'est les citoyens qui peuvent nous servir dans ce pays. Ton cœur ne t'a jamais touché pour ça. Ton cœur s'est tellement touché qu'il faut que tu ailles dans les hôtels 5 étoiles. Tu viens manger l'entote. Et tu te lèves, tu pars dire que tu espères que ton geste va. Ton geste ne sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Fous le camp avec ton geste là. Va t'asseoir avec le Séro pour parler de ça. C'est Vassio qui te supporte, hein. Non, on est pas ici, hein. C'est Vassio qui te supporte. Un derrière cassé comme toi, il a encore les bêtises. Il envoie les gens, les enfants des gens à la potence. Il demande qu'on doit être tolérant envers eux dans ce pays. Quelle tolérance? Ils ont d'abord quel problème? Tu connais un pays où on agresse et marginalise? Est-ce que tu connais comment ça se passe dans un pays où on agresse et marginalise les Ndepso? Réellement, tu as déjà vu? Ici au Cameroun, il y a ça. Les gens sont là, ils boivent le vin avec nous tous les jours. On est dans les mêmes jokas tous les jours. Hein? Ils sont même là, tu dragues un gars. Pendant que tu es en train de causer avec l'anga, il passe derrière, il vient te draguer toi-même. On leur fait rien. Pour nous, c'est un fait divers, c'est un fait banal de la société, on passe dessus. C'est vous qui avez gravé la situation ici. C'est vous qui avez fait le peuple va commencer. Je dis bien que c'est vous. On a vu Motassi ici là. Un tchèle calme. Il ne fait pas les problèmes à quelqu'un. On a vu Motassi, c'est un tchèle très calme qui ne fait pas les problèmes à quelqu'un. Il fait son make-up, ses machins. Il a travaillé, il a voyagé, mais il ne fait pas les problèmes. Toi, tu ne veux pas rester tranquille. Toi, quand tu m'as pour les 10 francs ici là, tu ne veux pas rester tranquille avec ton sang, j'en sens sur le corps. Chaque tête percée. Après, vous voulez nous asseoir, les Camerounais même. Ils sont asseoir même jusqu'à les Camerounais comme un double tête. Vous parlez, écoute. Vous avez la chance ici, hein. On a trop la chance ici au Cameroun. Où le président a donné aux gens la liberté de tous, même tout ce qu'ils veulent. Jusqu'à Shakiro parle, Shakiro s'assoit. Il insulte une femme. Et les femmes applaudissent. Parce que votre souhait, c'est de laisser entrer le diable chez vous. Vous devez laisser entrer le diable chez vous, qu'il faut que quand il entre là, avec, il transforme tout vos mouna. Quel parent ici au Cameroun peut accepter que son mouna soit comme Shakiro? Quel parent? Qui? Quel parent peut accepter ça? Personne. Bah, c'est un fou le camp avec ça. Moi, je te dis ça. Tu n'as qu'un faible. Oui. Tu es nul et faible. Laisse ça. Tu parles de quoi? Tu n'es pas capable de le dire? Oh, que tu n'as pas su ça? Tu es prêt à détruire tout le combat que tu as mené? Parce que tu vas supporter le bilinguisme? Tu es prêt à détruire tout le combat que tu as mené dans ta vie? Un combat que nous-mêmes on a soutenu? Parce que tu vas détruire le bilinguisme? Parce que tu veux t'associer au bilingue? Jusqu'à dire que c'est des amis. Toi, les gens là, c'est des amis. Les gens qui te soutiennent dans ça, c'est tes amis. Donc c'est ça l'amitié maintenant. C'est lever le matin, soutenir la sorcellerie. Tu vois ton ami en train de voler, en train de tuer. Tu le soutiens dans le vol et dans le merch. Parce que tu dis que c'est ton ami. Tu oublies que quand il va venir tuer chez le voisin, il va venir tuer chez toi. Hein? Tu oublies que quand il va venir tuer chez le voisin, il n'y aura plus que quand tuer chez le voisin. C'est chez toi qu'il va venir tuer. Tu dis que Valcelo, c'est ton ami. Il soutient le bilinguisme devant nous tous, on est en train de voir. Tu ne lui dis pas qu'il arrête ça. Pour qu'ils comprennent que non, il ne faut pas qu'ils désactent, ils quittent le chemin.
Quand on parle, vous venez m'insulter. Vous pouvez m'insulter, ça me fait quoi? Moi j'ai ma vision claire, je vous ai dit clairement ce que je pense. Laissez-moi les trucs de oui, c'est l'injustice, Bernard, il n'est pas riche, et machin, on devait faire. Je m'en fous de ça, c'est pas mon putain. Le niveau, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est plus long que ça. On utilise la fille du père parce qu'on veut l'obliger. Et la preuve encore, voilà l'article du Parisien qui est paru là, non. Voilà la preuve qu'on est en train d'utiliser la fille là. Et que c'est ça le but. Elle s'élève et dit que j'espère que mon geste va permettre la dépendisation des Wenchiel au Cameroun. C'est la preuve par A plus B qu'on utilise la fille du père. Tu vas voir même la brésilienne, la drogue, la bonne sœur, elle avait des drogues bizarres. Avec les drogues bizarres pour publier tous les trucs que tu vois là. Tu vas voir, c'est la drogue, la présidente là qui la drogue. Vous sous-estimez les choses. Vous sous-estimez les choses. Vous voyez avec vos yeux, même comme si vous ne voyez pas. Vous parlez de haut, oh, elle est comme Shakiro. Elle n'est jamais comme Shakiro. Shakiro, c'est un cafard, un canard qui a exposé toutes les défauts ici là. Qui est venu faire un défi en bras de fer avec la loi. On l'a mis en gata. On a fait pour le bras de fer avec la loi. Tu es qui? On interdit ça, tu te lèves, tu fais les vidéos, on te tourne, tu mets partout. Tu vois, tu es qui? Parce que les bassins vont dire que tu es innocent. Tu n'es pas innocent, mais tu le descends, ils sont tes remets en gata. Tu remets, si tu remets tes pieds, ils sont vraiment gata. Petit villageois, on est plus libre de parler. Parce que dès qu'on va parler, vous allez vous asseoir sur internet, on va bloquer ton visa, on va marcher et tout. Alors, laisse ça en bouche, mouf, les malades. Maintenant, tu as fait ta part, hein. Ce que tu parles là, que tu espères que ton geste, pour tu comprennes que nous on s'en fout de ça, ton geste là, ça ne nous sert absolument à rien. Et on ne va rien dépénaliser, comme tu parles là. Tu crois que tu es dans un film de novelas. Ce que nous on attendait de toi, c'est que tu parles à ton père pour lui dire la vérité sur ce qui se passe ici. Quoi qu'ils soient dans les mêmes voies de nuit que nous, on s'est tamponné en bas combien de fois? Tu connais les réalités du pays, ça ne manque pas. Toi, Benda, tu connais les réalités, pour que tout le monde en parle. Tu connais toutes les réalités du pays ici. On s'attendait à ce que tu parles à ton père. On s'attendait à ce que l'argent que tu achètes, les Gucci, les Prada, à ta folle avec qui tu marches là. Tu utilises ça pour aider les gens ici. Le pays allait être derrière toi. Ton père t'a mis à l'énorme, pourquoi tu réussis là où il a échoué? Mais quand vous voulez les habitants, tu prends l'argent, tu finis de payer les Gucci, les Prada, hein? Les vols en jet privé, à la cinglée brésilienne avec qui tu marches là. Après, tu vas nous dire que tu espères que ton geste est son geste. Quand on va dépenser, ça va nous aider en quoi? On va enlever ça, ça va nous aider en quoi? Marcelo, si on ajoute le bilinguisme au problème des Camerounais, ça va les aider en quoi? Avec tous les problèmes d'eau, électricité, route, maladie, éducation, santé, tout qu'on a. On ajoute le problème du bilinguisme. Parce qu'avec le bilinguisme, tu n'as pas pu prêter plainte à un homme pour harcèlement sexuel. Parce qu'il a d'abord l'argent, ils ont les avocats, ils ont tout. Tu ne peux pas aller porter plainte à un homme. Donc, il te binda bien, tu te fâches, tu te portes plainte, même qui t'a dit les dos, tu as pu avec. Et comme tu étais dans une relation amoureuse, tu vas refuser. Moi, j'ai dit ma position, roi. J'ai dit non au bilinguisme. Oui. Et c'est que tout le monde là, vous avez à chier sur vous. Il dit non. Le pays, on va. Au cul. C'est qui? Hein? Il dit, Sandrine. 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 C'est qui? J'ai dit quand il dit non. Non au bilinguisme, roi. Il dit non. Il dit non. Il dit never, jamais. Non. Alors, vous savez ça? Comme tu dis oui là, Vassero, moi je dis non. Ceux qui vont suivre le chemin, qui vont suivre, ils vont suivre. Ceux qui vont suivre le non vont suivre, ceux qui vont suivre le oui vont suivre. Mais moi j'ai dit non. Ben a dit non. Shakiro, j'ai dit non. Au noyau. Vous en amenez quoi? Vous qui dites que vous soutenez là, continuez à soutenir. On parle, vous dites que si tu parles, et alors? Si tu parles, on va fermer ton bar. Je suis dans le bar. Le bar, c'est un business en route. Même les tomates, on va vendre. Même l'oignon va vendre, d'abord le poids et le pain, j'ai donné d'abord trop l'argent. Vous croyez que si vous veut caler dans le bas, vous croyez que vous faire ça éternellement. C'est un business comme un autre. Le jour, c'est la fin, c'est la fin. Mais je vais vous dire une chose. Je donne ma position clairement. Et que tous les petits frères qui écoutent ça, écoutent, fuyez le bilinguisme. C'est la sorcellerie. Le blanc vient investir en Afrique pour détruire les générations entières, pour recoloniser l'Afrique. Parce que quand tu as déjà forme, c'est fini. Tu ne peux plus rien lui dire. Oui. Fuyez ça. Tu as faim, tu as encore les fesses qui font mal. Tu vas vivre comment? Tu n'as pas le travail, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas la lumière, tu n'as pas l'argent. La carte d'identité est à 15 000. En plus de ça, tu ajoutes encore le derrière qui fait mal. Arrêtez ça, hein? Allez tourner avec ça. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène.
en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesa City, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.